côté des officiels. Pour donner le coup d'envoi des saisons lyonnaises et parisiennes, c'est parti. L'OL vise 4 trophées cette saison et le premier, il est en jeu dès ce soir. Au bout de 90 minutes et peut-être même d'une séance de tir au but, l'OL aura soit perdu un premier trophée, soit l'aura gagné. Et ça a commencé directement avec un premier gros duel entre Perle Moroni et Oriane Jean-François. Moroni qui a des choses à prouver forcément, elle qui est alignée ce soir préférée à Selma Bacha. On sait que c'est un poste où la concurrence est rude dans l'effectif de Sonia Monpastor. Oui, effectivement, on connaît ce jeu parisien hein, physiquement qui est doté d'agressivité dans les duels. Elles veulent passer devant les Lyonnaises, veulent venir avoir ce contact avec le ballon en première. Et c'est ce qui, des fois, peut casser le rythme des Lyonnaises. Même si Coralie, on sera obligé de le mentionner, la préparation parisienne n'est pas forcément parfaite. Alors attention à ce premier ballon dans le dos d'Alice Sombat, c'est pour Ramona Bachmann. Bachmann, le débordement de Baltimore, le centre à venir, oh, ça passe devant tout le monde, y compris devant Oriane Jean-François, second poteau, première alerte sur le but de Christian Endler là. Et attention, un deuxième poteau, il va falloir surveiller ce couloir droit des Parisiennes, car là elle était battue, hein, que ce soit son bat ou Moroni. Et Perle Moroni qui a ensuite perdu le ballon, et c'est pas évident de se relancer, gros pressing parisien. 6 mètres obtenus finalement. Avant ça, je voulais mentionner, on va revoir. Donc, oui, elle ralentit, hein, elle attend sa coéquipière. C'est Baltimore, hein, il me semble, qui lève la tête, centre. Et Jean-François hein, au deuxième poteau, qui s'était fait oublier dans le dos de la défense, notamment dans le dos de Moroni. Alors, elle avait bien anticipé, mais peut-être se positionner défensivement avec une visibilité sur l'attaquante. Parce que si le ballon lui arrive, là, c'était une grosse occasion pour les Parisiennes. Allez, la réponse lyonnaise avec le premier départ de Delphine Cascarino face à Sakina Karchaoui. Ballon qui n'est pas sorti. On sait que c'est deux joueuses qui vont très très vite. Karchaoui et Cascarino. Karchaoui, l'ancienne lyonnaise, également ex-Montpellier-Rennes. Et les ballons récupérés par Sarah Dabritz, l'ancienne parisienne. Dabritz, petite faute de Bachmann, rien n'a été signalé. Elle va finalement perdre ce ballon, Sarah Dabritz. Et pas de coup de sifflet, si finalement, coup de sifflet tardif. Il y avait plusieurs fautes dans cette action, dirons-nous. Ah, c'est assez ironique là comme faute, parce qu'au début c'est la Parisienne hein, qui vient chatouiller les talons de Dabritz, et finalement c'est Bachmann hein, qui tombe au sol tout d'un coup, alors que c'est vraiment elle qui met l'impact hein, même petit tirage de maillot, elle lui prend le bras et Dabritz qui reste bien sur ses appuis, et ensuite voilà, Bachmann qui s'arrête totalement dans sa course. On reste sur un appui ou on espère juste qu'elle s'est pas fait mal musculaire, mais en tout cas c'est pas un contact avec une lyonnaise hein. Enfin, ça a l'air d'aller hein, pour peut-être un coup dans les côtes. Elle pour a Bachmann. L'air de se tenir à cet endroit. Je voulais juste rappeler effectivement que la préparation parisienne n'a pas été de tout repos avec les Parisiennes qui ont disputé la Amos Women's French Cup du côté de Toulouse. Premier match et première défaite face à Manchester United, un but à zéro avant de s'incliner au tir au but face au Barça. Préparation compliquée pour un PSG en reconstruction après une saison difficile l'an dernier. Bien joué Melvin Mallard qui met l'impact là et qui physiquement va se faire respecter. On va repasser par Grijembok, puis par Alice Sombat. Important pour Sombat hein, dans ses premières minutes de toucher le ballon, d'être sereine. Sereine, elle l'est, Janice Kaiman, pour adresser un sublime ballon à Daniel Vandedonk. Vandedonk qui est parti comme à son habitude. Vandedonk en 1 contre 1 face à Karchaoui. Le ballon qui va peut-être arriver jusqu'à Egerberg. On a laissé passer Sarah Dabritz dans la surface qui essaye de détaler Perle Moroni. Doudek qui s'interpose. Ah, il y avait peut-être moyen de la conclure avant cette action. Ah, Egerberg qui laisse passer pour ses coéquipières, c'était bien joué. Car il y avait de la présence lyonnaise dans cette surface. Alors voilà, à quelques mètres près, elles étaient plutôt bien positionnées, mais il manquait quelques centimètres pour venir se positionner correctement et tenter la frappe. Et il y avait également Lindsay Horan qui demandait le ballon en retrait. Toujours est-il que c'est un corner pour l'OL qui sera frappé par le pied droit de Delphine Cascarino pour une fois. C'est parti pour Cascarino, c'est frappé tendu sur Lindsay Horan. Oh, elle était dans une position parfaite, mais le ballon qui a été dévié, attention au contre, avec Oriane Jean-François. Qui va lancer Kadidiani.
On a trouvé Baltimore et la projection centrale de Backman. Et très bon retour. Très bon retour de Cascarino qui était la frappeuse sur le corner. Elle a couvert un paquet de mètres pour faire la course et revenir. Retour décisif là. On a pu parler souvent de sa vitesse offensive, mais c'est vrai qu'une joueuse comme Delphine Cascarino est très importante pour venir en complémentarité lors de ces phases offensives parisiennes en contre-attaque. Et on aura pu noter qu'elle avait très bien frappé son corner, même si la tête de Lindsay Horan n'a pas trouvé le cadre. Lindsay Horan en feu lors des matchs de préparation. Heiderberg, allez, ballon poussé un peu loin, mais elle a remporté son duel face à De Almeida. Heiderberg qui trouve Mallard. En combinant une touche avec Cascarino qui cherchait le départ de Caïman. Et Gayoro qui va pouvoir aller se projeter. Et beaucoup de rythme dans ce début de rencontre. Et Caïman était monté, on n'a pas forcément couvert. C'est ce que vient faire Sarah Dabritz face à Sakina Karchaoui. Attention numéro 6 tout seul. Jean-François effectivement toute seule au 20 mètres. De Almeida, oh elle a complètement glissé. De Almeida, ballon perdu, récupéré par Van de Donk. Qui ne trouvera pas Ada Heiderberg. Ballon dans les pieds d'Ilestet. Et on va aller voir du côté de Ashley Lawrence. Ah, beaucoup de rythme dans ces premières minutes. On se demandait à quel entame de match on allait avoir droit. Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de s'observer, ces deux équipes. Elles se connaissent largement assez. Dabritz. Dabritz qui cherche à jouer dans le dos de Sakina Karchaoui, elle est passée, Cascarino. Cascarino qui va essayer de trouver Daniel Van de Donk. Elle s'est bien écartée par la défense, s'est bien renvoyée. Et la relance est propre sur Backman. Et là, il y a de l'espace pour les Parisiennes. Il faut revenir notamment côté lyonnais. Aller dédoubler et le retour de Mallard pour aller aider Perle Moroni. Lawrence qui va rentrer à l'intérieur. Petite incompréhension avec Oriane Jean-François et derrière Mallard qui met en touche. Ah, c'est haletant comme début de rencontre. On cherche à aller rapidement vers l'avant, à aller trouver les attaquants, que ce soit côté parisien ou côté lyonnais. On n'a pas de trop de temps faible hein, avec un ralentissement de jeu. Non, non, non. Et pour l'instant, on veut aller titiller la défense adverse et la gardienne adverse le plus rapidement possible. Et on sait que marquer le premier but, ce sera important, d'autant que les deux équipes n'ont peut-être pas forcément 90 minutes de très haut niveau dans les jambes. Et donc, faire une entame parfaite et marquer, idéalement ouvrir le score, c'est important parce que l'autre équipe n'aura peut-être pas forcément les moyens de pousser jusqu'au bout pour revenir au score. Et on parlait du positionnement de Gayoran en avant-match, Timothée, notamment avec ce positionnement où elle laisse Delmeida plus devant la charnière centrale. Ça lui permet d'avoir un lien offensif supplémentaire et une rapidité de passe offensive pour ses coéquipiers, et notamment Backman et Baltimore, qu'on voit en ce début de match à l'œuvre assez régulièrement. Et on voit toujours Dudek à la distribution. Le long ballon qui peut peut-être arriver jusqu'à Diani. Il faut parler à Perle Moroni qui va finalement relancer sur Melvin Mallard. Mallard pressé, mais Mallard qui essaye de démarrer. Elle peut prendre de vitesse beaucoup de joueuses, Melvin Mallard, mais prendre de vitesse à Shea Lawrence, c'est quand même une tâche assez difficile. Ballon perdu et récupéré par la charnière centrale parisienne. Et on fait circuler avec notamment Gayoro. Ashley Lawrence. Et on a réussi à trouver Diani, c'est bien fait du côté parisien. Et derrière Jean-François qui est parti, Moroni qui doit défendre. Oriane Jean-François face à Perle Moroni. Elle essaye de rentrer à l'intérieur, trouver une solution, c'est renvoyé sans problème par Grijembok. Et Ada Heiderberg va aller presser et permettre aux Lyonnaises de... Et bien sûr, ses appuis, Moroni, hein, qui temporise, qui évite l'évolution et le centre jusqu'au bout de Jean-François. Ça et permet notamment à ses coéquipières défensivement de bien se placer, d'être bien au marquage pour pouvoir repousser, comme l'a fait Mbok, cette offensive. Et on a vu furtivement une petite image où, après avoir obtenu la touche suite à son pressing, Ada Heiderberg demandait du calme et demandait à ce qu'on ne s'enflamme pas. C'est un peu le piège hein, quand on a, Timothée, une équipe comme le Paris Saint-Germain ce soir qui dynamise et qui joue vers l'avant sans temps mort hein, finalement dans son jeu.
on peut Allez. Tomber dans le même rythme. Alors ne pas oublier son rythme et le rythme qu'on veut imposer à l'adversaire. Et en l'occurrence, il est bon, le pressing lyonnais. Attention à ce long ballon, mais c'est intéressant ce que proposent les joueuses de Sonia Bonpastor. Et Perle Moroni, par contre, qui va se faire déposséder du ballon. Et Diani, qui va pouvoir se présenter, décaler ensuite Baltimore. Il faut sortir sur Baltimore. Batman maintenant à 20 mètres. Il y a de l'espace pour Oriane Jean-François. Attention à bien contrer le centre. Ramona Bachmann toujours dans la surface. On cherche à finir cette action. C'est bien fait côté lyonnais, mais il faut sortir maintenant Lawrence. Lindsay Horan qui va s'imposer, relancer, c'est magnifique. La petite passe cachée là de Lindsay Horan pour trouver Melvin Mallard. Et derrière la prise de balle de Van de Donk. Et qui justement calme un petit peu, garde ce ballon. Même si Delmeida vient persévérer dans le pressing parisien. Et la vision du jeu d'Alice Sombat, on vous en parlait en avant-match, elle cherche des passes verticales, mais effectivement... Pourquoi pas calmer un petit peu le jeu, parce que là, les Parisiennes mettent un rythme effréné. Ouais, attention de trouver l'équilibre, hein, de ne pas faire que du jeu vertical, ce qui crée une densité au milieu de terrain et on oublie les couloirs. Quel ballon là de Gridge Mbok en l'occurrence pour aller alerter Oran. Mbok en revanche pressé là et c'est un ballon qui va être récupéré par Baltimore. Attention, il y a une... situation intéressante, ballon qui va arriver jusqu'à Jean-François. Et on est un petit peu coupé en deux là, côté lyonnais, on s'était projeté en nombre. L'équilibre dont tu parlais. Et si on joue trop vertical, on va oublier d'élargir le terrain. Et si on n'élargit pas le terrain, on aura moins d'interlignes et d'intervalles entre les joueuses parisiennes. Allez, Karchaoui joue très haut depuis le début de la rencontre, Baltimore. Essaye peut-être de percuter face à Oran. Karchaoui qui est retrouvé. Attention à ce centre en retrait. Oh, qui va arriver jusqu'à Oriane Jean-François. Ashley Lawrence qui va passer devant. Il faut aller dessus, il ne faut pas la laisser jouer. Elle n'est pas sur son pied droit et heureusement. Et là, il faut sortir et retrouver de la structure côté lyonnais. Et on entend Egerberg qui demande à ses joueuses de revenir. Allez, petite erreur technique. Reprendre son souffle et reformer un bloc. Bien compensé, parce que là... Elle fait un bon appel, hein, Karchaoui. Juste sur le côté de la course de Kaiman, elle passe dans son dos, se fait oublier. Et ensuite, c'est Diani hein, qui... tout d'abord, voilà, Bagman avec ce petit geste technique qui lui permet de se retrouver face au but. Et ensuite, c'est Diani qui vient accentuer. Attention aussi au centre hein, qui court... dans la surface lyonnaise à plusieurs reprises depuis le début du match. Allez, on va retrouver Karchaoui en position défensive face Allez à Cascarino et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Danielle Van de Donk, elle qui a été blessée pendant toute la deuxième partie de la saison, revenue lors du dernier match, qui a ensuite disputé l'Euro avec les Pays-Bas. C'est elle qui ouvre le bal de la saison lyonnaise 2022-2023. On vous l'avait dit, elle était impressionnante en préparation. Et regardez la force lyonnaise. Ce discours tenu par les leaders lyonnaises. Et quel bonheur de voir Van de Donk ouvrir le score. Ah, elle attend, elle temporise, elle prend de vitesse. Cascarino, elle tente sa chance. La gardienne parisienne avait bien fermé son angle, mais faute de main, elle fait son arrêt en deux fois contre l'OL. Il ne faut pas tenter suite à la vitesse et ensuite au bon positionnement de Van de Donk qui avait suivi cette action. Quelle puissance de Delphine Cascarino. Elle vient concrétiser plat du pied, sereinement. Comme à son habitude, pas de risque, mais au fond des filets. Allez, on est vraiment très très satisfait pour cette joueuse. Et petite séquence intéressante à Dagerberg qui est venu chercher 2-3 consignes du côté de Sonia Bonpastor. Alors, faux départ sur le coup d'envoi. Mais en tout cas, Sonia Bonpastor en conférence de presse avait demandé de l'efficacité pour Ali à ses joueuses. Et là, sur quasiment la première occasion, elles ont réussi à ouvrir le score, les lyonnaises. C'est surtout que les lyonnaises avaient mis un tempo assez important là, depuis quelques minutes et étaient à plusieurs reprises dans la surface. Regardez les consignes de Sonia Bonpastor qui vont payer avec Ada Egerberg qui va aller obtenir un corner. Et par surprise, elles ont su prendre de vitesse sur une belle offensive, une belle construction. Ça part de derrière, ça arrive... dans la surface parisienne et c'est terminé, finalisé par un but. On le disait souvent, face à Paris, l'efficacité prime.
Et on notera l'importance de Cascarino. Cascarino qui a fait un bel euro avec la France et qui a l'air parti sur de bonnes bases cette saison. La voilà pour frapper un nouveau corner. Delphine Cascarino, c'est parti. C'est frappé sur Grigio Mbok qui va remettre dans la boîte. Mbok à nouveau, le ballon qui traîne. Williams qui essaye de s'interposer. Le retourné de Melvin Mallard et le coup de sifflet d'Emeline Roche-Billière. On va revoir tout ça. Alors, est-ce qu'on estime que Heigerberg fait faute Ada Heigerberg, alors certes, elle est positionnée contre la gardienne, mais... Ouais. Allez, admettons. Allez, dans le doute, on siffle toujours en faveur de la gardienne. Je pense que c'est ce qu'elle a sifflé, l'arbitre central. Effectivement, on a tendance à protéger les gardiens et les gardiennes. Et on a pu admirer tout de même le retourné de Melvin Mallard. Et là, on est mieux coordonné au pressing entre notamment Van de Donk et Ada Heigerberg. On essaie de bloquer les différentes sorties de balles. Attention juste à rester en bloc et pas trop libérer d'espace derrière cette première ligne de pressing. Baltimore qui peut se retourner au milieu de terrain. Essayer d'aller chercher Karchaoui dans le dos de Janice Kaiman. Elle va plus vite, Karchaoui. Elle va peut-être se présenter dans la surface, chercher une solution de centre. En l'occurrence, Backman. Backman. Pas de possibilité d'enchaîner. Et super bon retour de Melvin Mallard. Oh, par contre, qui s'est trompé derrière. C'est dangereux, là, ce qu'a voulu faire Melvin Mallard. Avec beaucoup de densité parisienne dans la surface de réparation. Il faut mieux orienter vers la ligne de touche. Et ici, elle jette pourtant un petit coup d'œil, mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était vraiment poursuivie par les Parisiennes. Pour le dire gentiment, il faut avoir une grande confiance en sa gardienne pour faire ce genre de passe. Par contre, Coralie, on aura noté que ça fait plusieurs fois que les Parisiennes se créent des vraies situations, mais arrivent dans les 20 mètres et personne ne prend vraiment l'opportunité et la décision de frapper. Nouveau ballon à négocier défensivement pour les Lyonnaises avec Perle Moroni qui doit défendre sur Oriane Jean-François. Achet Lorenz trouvé dans la surface. Lorenz qui se retourne. Kadidjani bien contré. Paralyse son bat, c'est pas terminé. Melvin Mallard qui va éloigner le danger. Heigerberg va aller au duel, ça va arriver jusqu'à Janice Kaiman. Puis Cascarino. Kaiman, ça fait deux fois qu'elle est prise dans son dos par Karchaoui. Attention, elle est un peu en déficit de vitesse. Elle prend un peu plus de recul dans son replacement défensif. Même si pour le coup là, c'était son bat hein, qui avait bien pris ce recul et qui a permis notamment à Kaiman après de venir en complémentarité en charnière centrale et son bat qui s'est décalé pour venir stopper cette course de Karchaoui. En tout cas, plutôt équilibré offensivement sur la gauche, hein, pas vraiment d'équilibre justement entre des attaques parisiennes droite et gauche, on le soulignait en avant-match, ce côté gauche qui est très rapide. Et on va retrouver Kaiman offensivement. Allez. Quel ballon pour Daniel Van de Donk qui voulait remettre à Delphine Cascarino. Allez, super passe de Janice Kaiman. Étonnant d'ailleurs cette remise parce qu'elle était quand même bien avancée hein, dans la surface de réparation et par la puissance de ce centre qui lui arrivait, je pense qu'elle aurait pu bénéficier de cette puissance pour tenter sa chance. Van de Donk. Mais la gardienne n'était pas sortie. Et en tout cas, on est parti sur des bases assez intéressantes, à la fois en termes de rythme et en termes de niveau technique, même si côté parisien, on est un peu brouillon, on s'en mêle un peu les pinceaux dans les 25 derniers mètres lyonnais. On va pas s'en plaindre. Les Parisiennes qui ont réussi à se présenter dans la surface. Joué. Mais sans vraiment parvenir à frapper. Oh, Mallard, elle a réalisé une super séquence là et elle va aller obtenir un coup franc à la récupération derrière la protection du ballon et la projection. Lorenz un petit peu agacée là par le jeu physique de Melvin Mallard. Elle s'est fait avoir. Alors qu'elle lui tient le bras hein, à la base, Melvin Mallard. Melvin Mallard qui prend sans faute et ici elle vient. Faire un petit peu sa loi, Lorenz, avec un acte pas très fair-play pour le coup. Elle aussi, elle doit confirmer Melvin Mallard cette saison, l'une des trois menaces offensives majeures l'an dernier. Il y avait Mallard, il y avait Heigerberg, il y avait Macario. Cette fois-ci, Macario n'est pas là, au moins en début de saison. Coup franc à venir. Allez, le pied gauche de Dabritz. C'est parti pour Sarah Dabritz. Ça va arriver à l'entrée de la surface, c'est renvoyé. Allez, Cascarino comme elle vient. Dommage, c'est ce qu'il fallait faire. Renvoi à venir pour Williams. Ouais, elle l'a bien prise, mais pas du tout cadrée. Pourtant, prise coup de pied juste après le rebond. Et on essaye de relancer court côté
Parisien, c'est compliqué quand il y a Van de Donk face à soi parce que elle sera forcément là sur le ballon des Almeida qui s'en sort. Moroni qui va empêcher Jean-François de se retourner, c'est bien joué de la part de Dabritz. Plus de mal hein, côté parisien sur ce côté droit avec Jean-François qui a du mal à trouver l'espace pour servir ses attaquantes, notamment dû à un bon positionnement, une bonne complémentarité entre Dabritz et Moroni, hein, côté lyonnais. Et surtout, on a des Lyonnaises qui sont de mieux en mieux dans leur pressing. Là, il avait sorti ce ballon. Là, ils avaient très bien commencé, les Parisiennes. Là, on les sent un petit peu plus mises en échec depuis quelques instants. Les Lyonnaises serrent beaucoup plus près ces Parisiennes et du coup, moins d'espace. Elles doivent activer leur touche de balle. Et pour l'instant, ça a réussi aux Lyonnaises. Et ce duel, toujours. Cet éternel duel entre la charnière centrale parisienne et Ada Eyerberg. Bien joué, Grijenbock qui est sorti, mais le ballon qui va arriver jusqu'à Backman. Oh, la belle interception de Janice Kaiman. Ah, et Oran qui a touché du coude, il me semble, ce ballon. Ça n'a pas été vu par l'arbitre. C'est ce que Bâtiment réclamait sur le côté. Et son bat qui va tranquillement progresser, balle au pied. Elle n'est pas inquiète, son bat, elle va essayer de trouver Van de Donk. C'était intéressant. C'est ce dont on vous parlait, l'insouciance de son bat qui ne va pas hésiter à aller se présenter dans le camp adverse à la recherche d'une solution. Et puis on attend plus à voir Ada Eyerberg hein, faire ce type d'appel. Mais non, c'est Van de Donk qui vient surprendre la défense parisienne due notamment à une liberté qu'a Ada Eyerberg de laisser le... Allez, attention, la frappe de Cascarino. Cet espace en profondeur à sa coéquipière. Allez, c'est intéressant ce qui se passe côté lyonnais, et notamment une Cascarino qui a l'air en feu aujourd'hui, Coralie. Déjà à l'image de la décisive. Coupe d'Europe, comme tu le soulignais, et ce jeu à une, deux touches de balle. On prend l'information en amont, on prend l'information de la gardienne, mais aussi de ses coéquipières pour prendre la meilleure des décisions sur cette frappe malchanceuse. Cascarino vient taper son adversaire. Allez, elle va à nouveau frapper le corner. Cascarino, c'est parti, ça va arriver. Encore une fois, second poteau pour Grijenbock qui remet. Ah, qui cherchait sans doute une partenaire, mais qui trouve le petit filet finalement, elle s'en veut. Elle peut-être varier un petit peu ses corners. Ça fait maintenant deux ou trois fois qu'on vient chercher ce second poteau. Et toujours ces relances courtes parisiennes sur lesquelles Malard, sur lesquelles Van de Donk viennent essayer de gêner. Elle a pris un petit coup au passage, Malard. Le banc lyonnais avec Selma Bacha, Inès Benyaya, Inès Jorena ou encore Damaris et Durola. Cascarino, ouais, c'est bien fait ça. Dans le cœur du jeu, Cascarino qui va être retrouvé par Daniel Van de Donk. Le centre en retrait pour Eyerberg qui laisse passer. Mais c'est De Almeida qui va récupérer le ballon. Kaiman. Trouvé par Lindsay Horan, le centre de Kaiman, ça peut arriver peut-être sur Dabritz, non. C'est renvoyé Horan. Allez, pas de coup de sifflet, attention, parce que le ballon est perdu. Van de Donk qui va essayer de faire l'effort. Karchaoui. Avec Ilesh Tete. Gueyoro qui va redescendre pour organiser le jeu parisien. Et le piège du pressing lyonnais qui se met en place hein, au fil des minutes. C'est de plus en plus compliqué pour les parisiennes de ressortir, même si là, De Almeida a réussi à trouver un tout petit peu d'espace. Doudek qui va progresser avec le ballon. On a trouvé Backman. Et là, il y a des joueuses lyonnaises qui ont été éliminées, même si Van de Donk revient. Backman, Baltimore. Le départ à nouveau de Karchaoui. Attention, deuxième poteau avec Jean-François. Et Karchaoui qui va rentrer, qui va décaler Gianni. Le retour de Van de Donk et l'intervention défensive de Grijenbock. Eyerberg, précieuse dans son rôle de pivot pour tenir le ballon. Horan qui a vu le départ de Melvin Malard et une position de hors-jeu signalée. Sous les yeux de Jean-Michel Aulas, Noël Le Graët et
et de Wendy Renard, présente en tribune, tout comme Amandine Henry. Du beau monde à Dunkerque ce soir pour ce trophée des championnes, la deuxième édition. Oriane Jean-François, Ramona Bachmann, Baltimore qui demande sur le côté gauche. On va finalement servir Sakina Karchaoui. La voilà Baltimore, De Almeida qui se projette pour lui proposer une solution. Baltimore qui adresse son centre, ça arrive sur Gayoro qui n'a pas pu enchaîner. Ashley Lawrence. Allez, faut aller dessus. C'est ce qu'essaie de faire Perle Moroni. On arrive à la faire reculer, la Canadienne. Gayoro, Lawrence à nouveau. Elle qui n'est pas sur son pied de prédilection pour adresser un centre. Karchaoui. Et comme tu l'évoquais hein, si bien Timothée tout à l'heure, c'est vrai qu'arriver aux abords de la surface de réparation, on n'a pas vraiment de joueuses qui prennent la décision soit d'accélérer, soit d'appuyer cette dernière passe qui leur permettrait de se retrouver dans de bonnes postures. Mais heureusement pour les Lyonnaises qui sont bien en place défensivement et elles arrivent à sortir dans le bon timing pour venir les gêner. Oh, il était bon ce ballon. Heureusement que son bat s'est interposé. Ici, et là, par choc, contre, Almeida, c'est qui c'est arrive en retard sur Oran. On va revoir, ouais. Ah, elle est déjà dans les airs hein, quand elle vient heurter Oran d'Almeida et elle ne joue pas du tout le ballon. Elle sait qu'elle est en retard, elle a un ou deux mètres. Elle peut même s'arrêter avant de sauter, elle sait qu'elle n'aura pas ce ballon. Mais Coralie, pour revenir sur ce qu'on disait, effectivement, on avait vu déjà la saison dernière que Katoto était en feu, mais derrière, c'était vraiment elle, la buteuse parisienne. Et on a vraiment l'impression d'une attaque où personne ne va vraiment chercher à finir l'action. On s'approche de la surface, mais personne pour tenter une frappe, personne pour prendre la responsabilité de terminer l'action. C'est là vrai où... qu'on ne va pas s'en plaindre, mais on a eu l'habitude d'une attaque parisienne un peu plus décisive et plus rapide dans les prises de décision offensives. Attention à ce pressing de Gayoro. Pourtant, elles en sont capables, les parisiennes. Grid Jambok très sereine qui se permet de laisser venir son homologue parisienne, Dabritz. Qui n'hésite pas à hein, remonter le ballon pour se positionner directement dans le camp parisien. Ah, c'est dommage, avec Gerber qui voulait retrouver Cascarino. Par contre, là, au duel à l'épaule avec Karchaoui, elle va trouver cette fois-ci l'internationale française, Ada Gerber. Oh, Cascarino qui réussit le petit pont. Et qui va obtenir. Non, 6 mètres finalement. Elle était du même avis que toi, Cascarino. Ouais, je pense ici que ouais, effectivement, elle la retouche. Hein. La parisienne, hop, du talon, certes, mais. Et si elle ne le touche pas. Retouche. C'est heureusement qu'elle la touche parce que sinon le ballon va plus loin et Cascarino réussit sans doute son dribble. Bientôt la demi-heure de jeu à Dunkerque et Cascarino est sur la relance de Williams. Et derrière Egerberg peut peut-être enchaîner. Melvin Mallard décalé. Ah, il y a beaucoup de monde devant Melvin Mallard. Ouais, okay, magnifique pote de Melvin Mallard pour aller décaler Oran. Oran avec Dabritz. Et là encore, pour le coup, c'est les Lyonnaises qui n'ont pas fini l'action alors qu'il y avait moyen de le faire. Avant. On est un peu trop concentré hein, dans l'axe de cette surface de réparation adverse. Oh, heureusement, Moroni qui fait la faute. Il y aura peut-être un carton pour Perle Moroni, mais oui. Elle s'est un petit peu sacrifiée pour son équipe, là, Moroni, parce que la perte de balle consécutive de l'INSEE puis de son bat. Et d'ailleurs, on a entendu, je pense, Sonia Bonpastor crier un petit peu le prénom de l'INSEE Oran. Dangereux de perdre le ballon de cette manière. Une faute intelligente de la part de Moroni qui vient stopper net cette offensive qui aurait pu et on revoit être décisive. Ouais, magnifique geste technique hein, de Melvin Mallard. Malheureusement, elle n'a pas la place pour enchaîner derrière. Elle nous a régalé sur ce coup-là. Elle en élimine deux d'un coup, hein, Timothée. Et là, Bachmann, elle a parfaitement éliminé Lindsay Horan et derrière, elle peut trouver Sandy Baltimore. Baltimore face à Janice Kaiman et l'arrêt de Christian Endler sur son premier poteau. Et Lindsay Horan qui va peut-être devoir monter un peu en puissance dans ce match. Là, elle s'est fait manger sur cette fin. Elle s'est jetée, Lindsay Horan. Et du coup, c'est Bachmann hein, qui peut servir Baltimore sur le côté. Baltimore qui surprend un petit peu tout le monde. Sauf Endler qui était bien resté sur son premier poteau. Est venu sortir ce ballon, cette tentative. Mais offrir un corner aux Parisiennes.
C'est Backman qui va aller se positionner pour le tirer. Il y avait deux frappeuses attitrées d'Abrid et Baltimore. Attention, Gueyoro positionné sur la gardienne. Un groupe de Parisiennes au niveau du point de pénalty. Ça va certainement éclater, bien suivre son marquage. C'est parti pour Ramona Backman. C'est éloigné dans un premier temps par Melvin Mallard, puis par Delphine Cascarino. Et les coups de pied arrêtés qui sont d'ordinaire une force lyonnaise. Il va falloir être vigilant parce qu'il n'y a pas d'Amandine Henry, pas de Damari Segurola, pas de Wendy Renard. Les joueuses qui sont à leur évidence, à leur avantage, pardon, dans le duel aérien. Elidia Williams, la gardienne australienne, pour enclencher la relance parisienne. On va essayer de jouer dans le dos de Perle Moroni sur Gueyoro. Elles sont deux face à la capitaine parisienne et c'est Perle Moroni qui va s'imposer. Lindsay Horan qui récupère. Alice Sombat qui cherchait à Dagerberg. On ne s'est pas compris, le ballon est perdu. Attention, Diani le départ de Sandy Baltimore. Baltimore qui va chercher à enchaîner directement. Contré par Vande donc. De Almeida. Lawrence, elle avait peut-être vu à l'opposé. Et la sortie de Vande donc, la sortie de balle qui va permettre de souffler un peu côté lyonnais. C'était Dabritz, pardon, qui avait réussi ce dribble. Et Sonia Monpastor qui donne les consignes à Grijembok. Garde-le. Consigne également pour Gérard Prêcheur. Deux équipes qui font jeu égal pour l'instant. Même si l'efficacité aura été lyonnaise. Egerberg qui cherche à retrouver Cascarino, le ballon qui revient sur Egerberg. Cette fois-ci, on peut trouver Kaiman dans la surface. Kaiman, le centre et la bonne couverture de Dudek pour concéder un corner. Cette fois-ci, côté droit. Et cette fois-ci, je ne serais pas étonné qu'il soit frappé. Belle déviation hein, de la part de Cascarino avec Kaiman qui avait bien senti, bien pris le couloir. Ce qu'on voyait pas forcément ce début de première période. Des latéraux Kaiman et Moroni qu'on a peut-être plus l'habitude de voir offensivement dans ces couloirs. Faut pas hésiter hein, comme l'a fait actuellement Kaiman d'aller solliciter cet espace. Allez, une grosse grappe de joueuses, premier poteau, c'est parti pour Sarah Dabritz. C'était bien frappé et ce sera un nouveau corner cette fois-ci de l'autre côté. Grijembok pas satisfaite de sa tête. Il faut arriver à passer devant l'adversaire, à se positionner, à faire le petit mètre qui nous positionne juste en dessous. Et on voit sur le drapeau du poteau de corner, on voit qu'il y a du vent à Dunkerque ce soir. Il faut en tenir compte pour Delphine Cascarino qui va frapper à nouveau ce corner. À Dagerberg qui essaye de remettre dans la boîte le ballon qui va finalement sortir. Et on veut vraiment trouver deuxième poteau, une joueuse qui remet devant le but. Et on essaye toujours de presser la relance. Allez, Lindsay Horan qui passe devant Gueyoro, c'est bien fait. Même si Lawrence est venu aider et va permettre aux Parisiennes de repartir. Lawrence qui va faire un gros travail là pour aller chercher Baltimore. Baltimore qui arrive lancé dans les 20 derniers mètres. Baltimore qui va tenter la frappe à côté. Et Baltimore qui a souvent le champ libre hein, devant elle et qui peut atteindre la surface de réparation assez rapidement. Peut-être arriver à bloquer soit la passe en amont qui lui est adressée, soit venir se positionner un peu plus près au niveau du marquage pour éviter cette course. Et attention là, son bat, ça fait deux fois qu'elle ne se comprend pas avec Ada Egerberg, qu'elle attend un décrochage là où Ada Egerberg part en profondeur. Oriane Jean-François va essayer d'en profiter avec Dani. On est rentré dans la surface, on réclame une position de hors-jeu pour Jean-François. C'est pas signalé le centre. La tête de Backman s'est éloignée par Janice Kaiman.
puis Daniel Van de Donk. Et on a entendu Sonia Monpastor demander à Alice Sombat de ne plus faire ce genre de passe. La bonne talonnade hein, de Diani. Elle n'a pas perdu ses magnifiques gestes techniques. Grosse faute ici. Oula. Ça s'échauffe entre Malard et... Et Lawrence, il semblerait. Et Lawrence, c'est pas la première fois hein, qu'elles ont un duel physique. Alors, voilà le but. Il suffit de peu, hein, elle vient vraiment attendre le bon moment pour mettre l'accélération, le bon timing, la bonne puissance qui évite la gardienne encore une fois d'attraper ce ballon en une touche, l'oblige à repousser ce ballon qui est bénéfique pour Van de Donk qui vient finaliser. Et toujours cette capacité de Cascarino à accélérer en quelques foulées et à prendre de vitesse tout le monde, elle est capable hein, sur... le moindre ballon, même si elle part arrêtée. Une rapidité exceptionnelle, Delphine Cascarino. Allez, 10 minutes avant la mi-temps. Coralie, on imagine que dans un match comme ça, c'est important de revenir à la pause avec l'avantage au score. Ouais, c'est assez serré. On a vu des occasions parisiennes, des occasions lyonnaises. Une efficacité pour l'instant qui penche du côté lyonnais avec une maîtrise au milieu de terrain et un replacement défensif plus millimétré et mieux adapté côté lyonnais. Maintenant, il faut être attentif car on a notamment vu ce côté gauche parisien très efficace avec des automatismes de Baltimore et Backman. Heureusement qu'elle s'interpose. Lindsay Horan est derrière Moroni. Attention parce que Lawrence était un petit peu isolé. La voilà, Ashley Lawrence, la Canadienne. Elle est bien jouée, Van de Donk. Eda Britz ensuite qui essaye. Ah, il y a une faute, Emeline Roche-Billière qui ne siffle pas, il y a une faute évidemment sur Sarah Dabritz. Gueyoro qui va finalement reculer jusqu'à Doudek. Baltimore trouvé à l'intérieur. Backman pressé par Malard. Il est tête, on sort sur De Almeida. Premier ballon gagné par Moroni. Mais Diani est sur le second. Diani face à son bat. Le relais avec Jean-François. Puis Backman maintenant. Backman qui va rentrer dans la surface et essayer de centrer. Ça arrive sur Baltimore. Baltimore qui va frapper hors cadre. Mais attention, parce que quand on percute côté parisien, souvent il y a de la liberté second poteau, Coralie. Oui, alors là cette fois-ci c'était du côté de Baltimore. Tout à l'heure c'était du côté... de Moroni avec Jean-François, mais attention à ce deuxième poteau car on est souvent loin du marquage et on laisse le temps aux Parisiennes pour venir frapper ce ballon. Alors heureusement, elle le prend complètement extérieur du pied et ce ballon remonte avec le rebond, et ce qui ne lui permet pas de cadrer, mais ça peut être des offensives qui peuvent être très dangereuses. Et on le sait, Baltimore est plutôt efficace hein, lorsqu'elle a la ligne de mire en vue. Oh, avec revanche, une frappe là, très puissante. Son bat, elle s'est offert un crochet face à Backman. Encore une fois, il y a beaucoup de sérénité. À l'inverse de ce ballon où Karchaoui a mis la balle en corner. Mésentente avec Williams. Ça va donner une occasion aux Lyonnaises. Et ça communique côté lyonnais pour ce nouveau corner. C'est Dabritz qui va aller... s'appliquer à le tirer. Elle parle toujours beaucoup Egerberg à ses coéquipiers à l'attaque. Elle qui sait que face au PSG, elle a un rôle ingrat qui doit... Beaucoup de jeux sans ballon. Et oui, c'est ça. C'est être en fixation, c'est venir peser sur les deux défenseurs et créer de l'espace pour les autres. Les encouragements de Grijembok. Au moment où Sarah Dabritz place son ballon. C'est parti pour Dabritz. On s'est écroulé dans la surface. Pas de coup de sifflet d'Emeline Roche-Billière, nouveau corner à l'opposé. C'est Lorenz qui réclame la faute. Alors on a l'habitude qu'il y ait de la friction dans la surface. On va revoir. Ouais, elle est tombée, elle me fait même tomber Kaiman, Lorenz. Pas grand chose à réclamer sur ce coup-là. Le pied droit de Delphine Cascarino. Cascarino qui va frapper, rentrant cette fois-ci.
Ça arrivera au-dessus de la barre de Williams. On l'a dit, hein, près de 30 km/h devant. Et on aperçoit très bien hein, dans quel sens est orienté le drapeau. C'est pour ça que Delphine Cascarino, le temps de rentrant, en enroulant bien, ça peut venir surprendre à la fois la défense, mais surtout la gardienne. C'est Katharina Macario qui a marqué un corner direct la saison dernière. Toujours le pressing devant deux donc, mais on s'en sort côté parisien. Et par contre là, elle n'est pas précise cette passe de De Almeida pour Karchaoui. Touche à venir pour Janice Kaiman à maintenant moins de 5 minutes de la mi-temps. Allez, du mouvement, du mouvement. Et Lindsay Horan qui trouve à Dagerberg le relais avec à nouveau Lindsay Horan. Cascarino joué. Avec un petit peu d'espace devant elle. Lui donner des solutions. C'est ce que fait Janice Kaiman. Kaiman qui peut rentrer dans la surface. Oh, et par contre va retoucher le ballon. Dommage. Et bien joué de la part de Baltimore. Et intéressant, au lieu de passer dans le dos, Kaiman plonge pour avoir ce ballon en profondeur et venir perturber cette défense gauche parisienne. Et on s'entête à relancer court hein, côté parisien. On a compris que si on élimine la première ligne lyonnaise, il y a un décalage de créer. Et surtout qu'elle joue en une, deux touches de balle, hein, ce qui accélère très vite le jeu côté parisien. Elle ne porte pas beaucoup le ballon, ces parisiennes. Pour être capable de faire ceci, hein, ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup de volume de jeu pour les joueuses, beaucoup de déplacements. Et ça apportera peut-être un peu plus de fatigue dans les dernières minutes du match. On suivra ça avec attention. Et oui, la composante physique elle va être importante. Quelle est l'équipe la plus avancée dans sa préparation? Quelle équipe a le plus d'énergie? On avait vu Chelsea lors de la Women's International Champions Cup du côté de Portland un petit peu sombré physiquement, ce qui avait permis le retour des Lyonnaises dans la rencontre. Et d'ailleurs on entend Gérard Prêcheur dire n'y va pas. Et forcément de la fatigue ouais. Dans les rangs parisiens. Elles sont assez hautes sur le terrain les parisiennes, et le fait de ne pas les presser, ça limite les intervalles, ce qui oblige les Lyonnaises à aller chercher plus loin, comme a essayé de le faire là sur cette passe pour Van de Donk de Mbok. Il y aura un coup de sifflet sur ce duel entre Van de Donk et Karchaoui. La jeunesse dans le banc parisien. Oh, attention, ce ballon pour Williams, c'est pas un cadeau. Sur le second ballon, Sarah Dabritz va essayer de s'interposer. C'est finalement Baltimore qui récupère. Diani. Le départ de Diani dans le dos de Gridj Mbok, elle est lancée. Diani, on sait qu'elle va très vite. Mbok qui est revenu. Attention, Oriane Jean-François est là. Elle est bien positionnée encore, son bat pour éloigner le danger. Beaucoup de sérénité de Dabritz ici. Et Van de Donk intelligemment obtient la faute et le coup franc. Allez, 1 minute 30 dans le temps réglementaire avant la pause, un peu moins maintenant. Et l'OL qui mène 1-0 grâce à un but de Daniel Van de Donk. Même si le PSG s'est créé pas mal d'occasions, on connaît l'efficacité lyonnaise. Et plus juste dans les derniers mètres. Et le long ballon, Melvin Mallard qui va aller presser face à Williams, obtenir la touche. Elle aussi, elle se sera beaucoup battue lors de cette première mi-temps, Melvin Mallard. Pas forcément servie, mais généreuse dans les efforts. Un travail intéressant et de belles phases au duel avec Lorenz. Egerberg face à Jean-François et il est jetette. Et toujours ce duel, que ce soit avec Ilestet ou Dudek. Egerberg, elle a beaucoup de monde sur le dos. Moroni, Mallard qui essaie de retrouver Moroni. Oran qui conserve. Ah mais Oran, elle est dépossédée du ballon et ça fait plusieurs fois. Attention, Gridjambok qui va essayer de s'interposer face à Gayoro.
Et Oran en difficulté lors de cette première mi-temps. Coralie, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est une joueuse, je trouve, au milieu de terrain, en général, dans leurs déplacements, elles sont assez complémentaires pour l'instant, avec toujours une qui reste en point de basse. Des compensations au niveau du positionnement et des déplacements des unes par rapport aux autres. Ce qui permet notamment à la défense lyonnaise d'être sereine pour gérer les attaquantes parisiennes. Et attention à cette ultime projection parisienne avec Karchaoui qui retrouve Baltimore. Cascarino a fait l'effort avec Janice Kaiman pour essayer de bloquer. Baltimore, elle est passée. Pas de coup de sifflet de la part d'Emeline Roche-Billière. Ça aurait pu en mériter hein, peut-être, mais ça nous va bien. Et pour revenir sur Oran, un bon positionnement en zone indéfensive qui permet de gérer en interligne et éviter des transitions parisiennes dangereuses dans l'axe. Dabrit qui porte le ballon, qui n'a pas voulu donner à Mallard. Ah, c'est un petit peu le défaut de cette équipe lyonnaise en cette première période. Des fois, un peu trop de touches de balle, lever un peu plus la tête pour jouer plus rapidement. De retour à Dunkerque pour la seconde période de ce match entre le PSG et l'OL, le trophée des championnes et les Lyonnaises qui mènent 1-0. Après une première mi-temps très rythmée, Coralie, on va suivre l'état physique des troupes, mais on sait que la pré-saison, c'est parfois un moment où les deux équipes ne sont pas encore à 100%. La dimension physique va être importante dans cette seconde période. Oui, attention à ce début de seconde période, le retour des vestiaires où les Parisiennes ont certainement eu des directives de leur coach Gérard Prêcheur sur les petites choses, les petites imprécisions qu'il y a pu avoir en première période et puis les petites règles pour faire mieux offensivement. Donc du côté lyonnais, il faudra être très concentré, avoir ce toucher de balle qu'on aime tant apprécié du jeu précis, du jeu rapide, du jeu avec un volume de jeu important. Et pour l'instant, on met le pied sur le ballon du côté des joueuses de Sonia Beaupastor avec Alice Sombat qui trouve le décrochage de Cascarino et Lindsay Oran qui vient chercher très bas les ballons. Cascarino aussi, Sombat à nouveau. Et ça va être important de tenir le ballon côté lyonnais. Et Grigembok qui cherche Mallard. Moroni qui a été prise, coup de sifflet. Ouais, qui s'est fait mal, elle reste au sol. Moroni se tenant à la cheville. Elle a pris une semelle. L'ancienne parisienne. C'est dans le jeu. Pas la volonté de faire mal, mais beaucoup d'engagement dans cette rencontre. On vous l'a dit, il y a un premier trophée à la clé. Et on notera, Coralie, qu'on a eu un match pas du tout haché par les blessures, par les fautes, pardon. Dabrit qui cherche à remettre dans le paquet. Ballon qui va arriver sur Baltimore. Gueyoro est bien joué. Cascarino qui met le pied, juste ce qu'il faut. Oh, par contre, là, Van de Donk, elle a pris un coup. Ça n'a pas été signalé. Dabrit à nouveau. Et Cascarino qui a essayé de passer, qui va récupérer face à Karchaoui. Oh, bien joué son bat. La bonne anticipation face à Gianni. Et ballon qui revient jusqu'à l'Australienne. Williams. De Almeida qui cherche à avancer. Mais toujours ce pressing lyonnais. Williams qui va devoir allonger. Et qui trouve Karchaoui, le contrôle de Karchaoui pour se mettre dans le sens du jeu, c'est bien fait. De la part des Parisiennes, il faut défendre. Côté lyonnais, Gianni, et bon retour de Dabrit. Dabrit qui résiste ensuite à la faute. C'est dommage qu'elle n'arrive pas à lâcher son ballon plus rapidement, à le donner. Notamment dû à des positionnements de ses coéquipières un peu loin par rapport à elle. Et Backman qui va se projeter maintenant. Et bien joué Cascarino, discipliné défensivement, tout comme Melvin Mallard, hein, les deux ailières lyonnaises qui ont fait beaucoup de travail défensif également.
vrai, dû à une participation de Kershawi et Lorenz importante. Hein. Elles viennent soutenir très haut les offensives parisiennes, ce qui nécessite à nos Lyonnaises Cascarino et Mallard de faire le travail défensif et revenir pour compléter le positionnement. Et attention à Kershawi qui récupère haut ce ballon. Grosse bagarre là. Ouais, elle a été sanctionnée, Danielle Vandedonk, alors qu'elle avait touché le ballon. En tout cas, c'est ce qui nous semblait, même si Kershawi reste au sol. On va revoir. Ouais, elle prend le ballon du talon. Après, c'est vrai qu'elle est un petit peu sur le côté. Vu le positionnement de Kershawi, on a l'impression que ce tacle est fait dans son dos. Ça va donner un coup franc aux Parisiennes, l'occasion de porter le danger devant le but de Christian Endler. Avec Bachmann à la baguette. Le pied droit de Bachmann et le pied gauche de Kershawi. Ça paraît difficile de le tenter directement. On va certainement chercher un relais. Beaucoup de monde à l'entrée de cette surface. On a fait monter Ilestet, on a fait monter Doudek. C'est parti pour Bachmann. C'était pour Doudek justement. Un tout petit peu trop court pour la capitaine parisienne. La capitaine parisienne qui, par contre, était devant, avait éliminé les défenseurs lyonnaises. Et relance lyonnaise avec Grijembok et Sarah Dabritz. Son bat. Qui va aller chercher Kaiman. Et un bloc parisien beaucoup plus étendu, avec des interlignes beaucoup plus marquées. Et pour l'instant, personne qui s'y engouffre. Oh, elle a vu le départ de Kaiman. Alice Sombat, son ballon est magnifique. Kaiman, il faut qu'elle trouve la bonne solution. Oh, c'est magnifique, ça arrive sur Egerberg dans la surface, qui n'a pas pu enchaîner malheureusement. Moroni maintenant. Moroni, Egerberg qui en profite. Egerberg qui va frapper. Et c'est contré au corner par Lydia Williams. Et la détermination d'Ada Egerberg. On le voit, elle est stoppée net par Lorenz. Et ensuite, elle se positionne complètement derrière la défense. Ada Egerberg et permet de récupérer ce ballon. C'était difficile de venir tromper Williams, qui avait bien fermé ce premier poteau. Toute la détermination dans le regard d'Ada Egerberg. Allez, Cascarino pour frapper le corner. Et ce sera long. Et ça arrivera même en touche. En première mi-temps, le vent ramenait les corners de Cascarino vers la cage. Là, il a éloigné le ballon du but gardé par Williams. Et on va essayer de casser à nouveau le pressing lyonnais avec Gayoro, puis Lorenz. Lorenz qui cherche à jouer axial sur Diani, qu'on a assez peu vu dans cette première mi-temps. Moroni face à Diani. Diani qui cherche à combiner. Oh, le centre qui arrive pour Bachmann. Et Baltimore qui n'arrive pas à mettre le ballon devant le but. Quelle occasion pour Sandy Baltimore. Le ballon qui lui passe entre les jambes. On pensait que Bachmann allait frapper. Elle a finalement remisé. Un bon dépassement. Contrôle. Intérieur de pied, double contact. Mais c'est déjà Baltimore. Elle doit tenter sa chance ici. Parce que... Bachmann, pardon, Baltimore, c'est un peu plus normal qu'elle soit surprise par ce ballon. Et on va pas s'en plaindre, hein, parce que... Effectivement, peut-être qu'elle était surprise. On était battu si elle cadrait ce ballon. Peut-être qu'elle était surprise que Bachmann ne tente pas sa chance. Egerberg qui décroche face à Kershawi, redonne à Alice Sombat, qu'on n'hésite pas à utiliser en rampe de lancement dans les attaques lyonnaises. Dabritz. Son bat qui repasse par Christian Endler. Oh, elle tente des choses. Son bat, elle les réussit. Dabritz qui peut se projeter. Qui attend le départ de Kaiman. La voilà servie, l'international belge. Oh, elle s'est imposée de manière assez physique. Sakina Kershawi, mais sans commettre de faute.
Bien positionné défensivement. Kaiman n'a pas pu prendre de vitesse, Karchaoui. Et renvoie aussi mettre à venir pour Lydia Williams. Sur Karchaoui justement, lobé par le ballon cette fois-ci. Et la touche que va effectuer Janice Kaiman. Et Gerber qui demande en appui. Cascarino, et par contre Karchaoui est passé devant. Et elle va pouvoir se projeter offensivement. Cascarino qui sert Kadi Diani, position de hors-jeu, heureusement. Elle fait mal dans ses projections, Karchaoui, quand elle arrive à prendre de la vitesse. Elle doit ajuster, hein. Diani, elle avait plus l'habitude de partir de plus loin ici, suite à l'absence de Katoto pour encore un petit moment. Elle est positionnée à cette pointe de l'attaque parisienne. Mais c'est sûr que ce n'est pas les mêmes déplacements. Et on ne la sent pas vraiment en point fixe, hein, de cette attaque parisienne. Du coup, pour l'instant, elle manque d'automatisme encore pour pouvoir servir ses coéquipières. Et on avait entendu un Ashley Lawrence à la fin de la première mi-temps dire qu'il fallait peut-être utiliser plus la profondeur de Diani. Et bien joué Dabritz qui n'est pas allé au duel, qui a attendu le second ballon. Cascarino, servi à présent, va pouvoir rentrer à l'intérieur. Cascarino, elle n'a pas réussi par contre à servir Dabritz. Elle est gros effort là de Cascarino pour obtenir le ballon. Lindsay Horan, oh, qui cherchait à jouer dans le dos. Félicité par Ada Heiderberg. Bien joué. Et Horan qui va participer à l'effort défensif. La voilà servie. Lindsay Horan qui combine avec Heiderberg et avec Van de Donk. C'est beau ce que vient de faire les Lyonnaises, par contre derrière. Elle s'est manquée totalement. Pas sur très son bon jeu en triangle ici entre Ada, Van de Donk et Horan. Mais son mauvais appui complètement derrière le ballon ne lui permet pas de frapper comme il se doit ce ballon. Sonia Bonpasseur, très observatrice et très concentrée. Comme à son habitude. Williams qui retrouve Ilestet, va chercher à allonger jusqu'à Diani. Ça, ce sera sans problème pour Grijembok. Et Moroni qui fait ce qu'il faut pour que le ballon arrive jusqu'à Malard. Et Horan qui perd encore ce ballon, attention. Parce que ça peut être dangereux derrière, heureusement que son bat dans le positionnement fait un vrai bon match. Elle qui, on le rappelle, avait plutôt disputé des bouts de match la saison dernière. 4 titularisations seulement l'an dernier pour Alice Sombat. Et là, lancée dans le grand bain, elle s'en sort bien pour l'instant. Elle qui était partie disputer le mondial des moins de 20 ans au Costa Rica. Éliminée en quart de finale par le Japon au tir au but. 5-3 au tir au but après un match nul, 3 buts partout. Mais elle a l'air d'avoir emmagasiné de l'expérience avec cette compétition internationale, Alice Sombat. Qu'en pense la défenseur Coralie Duché de cette prestation de cette jeune joueuse? Elle est très sérieuse dans son placement, hein, par rapport à Mbok ou alors par rapport à Janice Kaiman, ce qui lui permet de venir couper les trajectoires de balles parisiennes et d'anticiper énormément les offensives parisiennes. Et c'est elle qui a lancé cette action, poursuivie par Delphine Cascarino. On s'en sert vraiment comme une meneur de jeu, hein, vraiment avec de l'espace devant elle. C'est elle qui donne les ballons, qui vise les milieux de terrain ou alors les décrochages, que ce soit de Cascarino ou d'Egerberg. On a deux joueuses, hein, qui font ce genre de choses. On a donc Sombat, hein, qui va jouer plutôt dans la profondeur ou faire de longues passes. Et on a Dabritz qui va remonter le ballon par de la conduite de balle. On a pu le percevoir à plusieurs reprises. Ouais, c'est intéressant, une jeune joueuse comme ça, mais qui est responsabilisée par Sonia Bonpastor. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner à peu près. Ouais, c'est une joueuse très sereine, hein, qui joue sans pression, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Elle est absolument imperturbable, Alice Sombat. Même si ce n'est pas le gabarit de Wendy Renard. Elle a quand même beaucoup de qualité, cette jeune joueuse. Janice Kaiman qui gagne 10 mètres.
et qui va effectuer une nouvelle touche. Egerberg qui vient demander le ballon. La voilà servie, dos au jeu, Ada Egerberg dans la surface désormais. Elle ne s'écroule toujours pas, la protection de balle d'Ada Egerberg. Gros combat, on l'a dit. Vande donc, qui va essayer de centrer. Oh, il est bon ce ballon pour Melvin Mallard et le coup de sifflet. Alors, est-ce que c'est une position de hors-jeu qui a été signalée? On n'a pas pu en juger sur le direct, alors c'est certainement bien enroulé, pas hors-jeu. Bien dosé, la tête... est-ce que c'est une faute? Ce qui me paraît difficile hein, pour Melvin Mallard qui est pris en sandwich. Et l'hors-jeu, ça doit être à quelques millimètres si c'est ceci qui a été sifflé. Ah bah, si c'est un hors-jeu qui a été signalé, c'est une erreur. En tout cas, cette action n'était pas allée au fond des filets de Williams. Mais bon ballon. Ce qui est intéressant, c'était surtout Moroni qui avait suivi deuxième poteau. Allez, là, Cascarino, elle a pu prendre de la vitesse. Ah, malheureusement, le ballon est un petit peu derrière Melvin Mallard. Elle va conserver. Mallard, retrouver Cascarino. Ah, il faut venir demander. Perle Moroni. Avec Van de Donk. Allez, il faut tourner. Van de Donk qui a vu. Lindsey Horan toute seule qui trouve le ballon de la tête. Ça arrive à nouveau sur l'américaine. Allez, Lindsey Horan qui va peut-être chercher à enchaîner. Qui combine dans la surface avec Egerberg. Van de Donk qui essaye à nouveau. Alors, il y a un gros cafouillage dans la surface, mais elles vont s'en sortir, les parisiennes. C'est dommage. Parce qu'on avait réussi à faire une vraie différence là côté lyonnais. Je pense que la meilleure solution est première intention lorsque c'est Horan, il me semble. Réceptionne le ballon dans la surface de réparation. Elle doit chercher directement en retrait pour Melvin Mallard. Ce qui nécessite une prise d'info peut-être un peu plus rapide des Lyonnaises. Et c'est une séquence comme un petit peu, on a vu côté parisien en première mi-temps. On est en bonne position, mais on ne finit pas l'action. Et attention, parce que les Parisiennes sont reparties avec Ashley Lawrence. Lawrence qui cherche à trouver Baltimore, mais là, la couverture de Grigembock jusqu'à Christian Endler. Ouais, c'est bien joué et bien dégagé hein, de la part de Endler. Et ça va même être récupéré par Melvin Mallard avec Perle Moroni. Et on va s'en sortir jusqu'à Grigembock. On perçoit un peu de fatigue hein, du côté des Parisiennes. Beaucoup moins en mouvement que lors de la première période avec un rythme moins soutenu malgré qu'elle soit menée au score. Et il y a de la sérénité côté lyonnais. On écarte aussi un peu plus qu'en première période avec des Janice Kaiman et Moroni, pardon, Perle Moroni qui, décidément, je ne vais pas y arriver, qui longe la ligne de touche, ce qui permet d'écarter et d'élargir ce bloc parisien. Et on va avoir deux changements côté lyonnais dans quelques instants, les entrées de Selma Bacha et de Damaris Segurola. Donc potentiellement un changement sur le côté gauche, un changement au milieu de terrain. Alors qui de Dabritz aura nous vendre donc va céder sa place. Parce que le changement, on suppose que c'est sur le côté gauche hein, que Selma Bacha va faire son entrée. Soit à la place de Moroni, soit à la place de Mallard effectivement. Potentiellement plutôt Moroni. Les encouragements d'ailleurs de Selma Bacha au bord du terrain. Et toujours cette cohésion de groupe hein, malgré les deux arrivées de Dabritz et Jorena. Encore un bon ballon de Sombat pour aller alerter Van de Donk. Allez, Van de Donk qui cherchait à retrouver Dabritz. Ballon qui va tranquillement arriver. Allez, il faut tourner là-bas jusqu'à Moroni. Ah, elle n'a pas osé. On va insister sur le côté droit. C'est dommage, elle est capable de le faire, hein, Sombat. Oh, c'est pas évident ça pour Dabritz qui va devoir aller se bagarrer sur ce ballon. Gueyourou empêche la sortie. Et ça va arriver dans les pieds de Karchaoui. Oh, Bachmann qui s'est trompé. Ballon récupéré haut là par Sarah Dabritz. Melvin Mallard. Mallard qui va peut-être essayer d'enchaîner. Ah, ça arrive sur Cascarino. Ça peut être intéressant. Cascarino servi à nouveau, mais elle a perdu un petit peu de temps. Lindsey Horan à 20 mètres qui cherchait à retrouver Van de Donk. Il faut empêcher la sortie de ce ballon. Kaiman qui va essayer de passer devant. C'est bien fait. Il y a une faute là. Elle lui marche dessus également. Emeline Roche-Billière tardivement. Et le changement qui va probablement avoir lieu.
Elle a essayé de positionner son corps, hein, Baltimore, en amont, mais sur le deuxième contact, elle est en retard et elle vient faire faute sur Janice Kaiman, Damaris et Bacha qui vont rentrer. Alors est-ce qu'on a eu d'abord le changement parisien De Almeida qui cède sa place. C'est Thorvalds Dottir, l'Islandaise comme son nom l'indique, qui va entrer en jeu, elle qui avait disputé une saison en D1 Arkema du côté du Havre, est sortie comme tu l'avais pressenti, Coralie, de Perle Moroni, remplacée par Selma Bacha. Ça peut aussi s'expliquer parce qu'elle avait un carton jaune, Perle Moroni. Hein. Et quel luxe de pouvoir faire rentrer Selma Bacha pour les 25 dernières minutes de la partie. Elle va pouvoir apporter toute son intensité et directement frapper un coup franc d'ailleurs. Et l'autre changement, l'entrée, vous le voyez, de Damaris et Gurola, la sortie de Sarah Dabritz. Et coup franc à venir directement pour les Lyonnaises. Deux joueuses hors jeu au départ du ballon, que sont Egerberg et Kaiman. C'est parti pour Selma Bacha, c'est magnifiquement frappé. Et malheureusement, c'est dévié par Lindsay Horan qui enlève ce ballon à Grijembok. Ce qui est intéressant ici, c'est la feinte hein, de Cascarino. Et ensuite, vraiment, c'est Horan hein, la première, Ada la deuxième et Mbok qui sont dans trois tempos différents qui permettent malheureusement pas de toucher le ballon, mais de venir perturber sous trois types d'efforts la défense parisienne. Et Coralie s'est feinte pour faire monter le bloc et piéger un petit peu le hors-jeu parisien. Ça a été longuement travaillé lors du stage aux États-Unis notamment. Attention à la réponse parisienne avec Baltimore qui va aller provoquer face à Kaiman qui retrouve Karchaoui, le centre. Ça traîne toujours dans la surface, faut sortir et c'est pas cadré de la part de Gianni. Décidément pas en réussite. Mais la réponse immédiate. Elle est très peu sollicitée, hein, Handler, depuis le début du match. Très attentive, elle a fermé son premier poteau, mais aussi attentive au centre, comme elle a pu le dévier ici de la main. On voit, hein, elle met de la force hein, dans ce dégagement d'une main, chose pas facile pour une gardienne, car il faut vraiment aller chercher ce ballon pour donner de la vitesse et le renvoyer le plus, le plus loin possible. Effectivement. Alors on a pu voir l'entrante Thorvalds Dottir se positionner de manière très très offensive. Ouais, en pointe, hein, j'ai l'impression. Effectivement. Ce qui permet à Diani de retrouver un côté droit où elle a des automatismes beaucoup plus marqués. Et pour ma part, c'est vrai que c'est un positionnement où je la préfère. Elle arrive à venir perturber plus les adversaires dans ce poste-là. Allez, Gerberg qui a bien décroché. Elle va pouvoir retrouver Cascarino qui s'est un peu arrêté malheureusement. C'est dommage. Elle n'a pas cru que Gerberg pourrait lui transmettre. Gros, gros match hein, de Delphine Cascarino, vraiment. Janice Kaiman qui retrouve. Elle manque son contrôle. Ouais, c'est dommage. Vieillot repressé par Van de Donk, quoi. Elle n'a pas sifflé pour grand chose, Emeline Roche-Billière là. Gros gros duel entre Van de Donk et Gaillot. Vous avez entendu Gérard Prêcheur donner des consignes pour la grosse vingtaine de minutes qui va rester dans le temps réglementaire de cette rencontre. Diani qui essaye de démarrer face à Bacha. Et Malard qui n'obtiendra pas la touche qu'elle espérait. Oriane Jean-François repositionné dans le milieu de terrain. Interception de Lindsay Horan. Bacha qui trouve son bat. On va relancer tranquillement côté lyonnais. Il ne faut pas qu'elle hésite hein, son bat à venir écarter avec Janice Kaiman. Même si le chronomètre joue pour les lyonnaises. Cascarino décroche.
son bat qui cherche Van de Donk. Allez, son bat un peu en retard au duel, mais qui va empêcher la progression de Baltimore. Après un petit coup de tête, j'ai l'impression, dans le nez. Et Damaris qui va pouvoir récupérer avec son bat. Damaris à nouveau, il n'est pas bon ce ballon pour Gudjembok, il est dangereux. Ouais, c'est manqué en et plus attention, sur sa prise de balle. De tir. Heureusement que Bacha va être là en couverture. Allez, jouer simple et trouver Melvin Mallard. Et par contre, elle perd le ballon directement. Melvin Mallard, c'est elle dommage. Elle n'est pas se jeter. Et elle n'est pas tombée pour grand-chose là, Kadidiani, mais suffisamment pour obtenir la faute. Et duel d'international française. Elle n'a pas beaucoup de ballons, alors le peu qu'elle a... elle essaye d'obtenir quelque chose. Elle est contente que ça la stoppe dans son élan. Allez, deux frappeuses au ballon. Karchaoui et Backman, on a vu le petit mot entre Ilechtet et Torvalds Dottir. Les consignes de Christian Endler pour son bloc défensif. Elle est attentive. C'est parti, c'est pour Karchaoui. C'est éloigné par Damaris et Durola, précieuse également dans le domaine aérien. Et Bacha qui lâche les chevaux derrière pour relancer. Stoppé irrégulièrement par Doudek. Elle est déterminée hein, dans sa course, mais accrochée par Doudek, hein, par l'épaule, retenue par l'épaule, Bacha qui n'arrivera pas. Il semble avoir aperçu Signe Brune et Inès Benyaya en train de s'échauffer sur le bord du terrain, à confirmer. Oh, son bat qui prend un petit peu de risque à la beaucoup de relance. Sérénité là, non. Pour trouver Gridjembok. Allez, pas tomber dans la facilité. Mbok qui va aller chercher Cascarino. Ah, dommage, elle est lobée. Mais elle va continuer son effort, Delphine Cascarino. Attention à ne pas se jeter. Ne pas oublier Karchaoui qui prend souvent le couloir et vient porter le surnombre. Ah, on a perdu en intensité quand même dans le pressing lyonnais. Et Diani qui va pouvoir aller provoquer Bacha. Les efforts de Mallard pour revenir dans le bloc. Backman qui élimine Damaris. Gayoro qui arrivera à trouver Baltimore. Baltimore dans la surface face à Kaiman. Baltimore, attends, le crochet, c'est magnifique. Oh, et qui cherchait à frapper premier poteau. Encore une occasion hein, qui vient du côté gauche parisien avec Baltimore toute seule. Au second poteau, elle élimine à deux, suite à deux petites touches de balle, passement de jambe, tac. Kaiman qui se jette un petit peu là sur cette tentative de frappe de Baltimore. Et ensuite, elle se met sur son pied droit. Et heureusement, même si Handler avait bien fermé son angle, ne cadre pas. Allez, Bacha qui a vu le départ de Melvin Mallard. Il est bon ce ballon pour Melvin Mallard. Ah, allez, ensuite, allez. Ça arrive sur Delphine Cascarino qui frappe et qui malheureusement frappe sur la gardienne australienne Lydia Williams. Ah, difficile hein, parce que Karchaoui était vraiment sur ses talons à Cascarino. Et ce ballon qui va sortir en touche au bénéfice des Lyonnaises, elles sont importantes ces prochaines minutes. On revoit le premier ballon. Intention. Ada un peu court. Et ensuite, un premier intention également, coup de pied. Delphine Cascarino qui tente sa chance. Elle met la puissance, mais c'est vrai qu'elle a presque le doute de pouvoir toucher ce ballon et tirer. Et ce ballon manque de précision et atterrit sur la gardienne Williams. Ouais, mais c'est important de venir remettre le danger devant le but parisien. De rappeler que ça peut arriver à tout moment. Lorenz, le débordement face à Bacha. Bacha qui contre ce ballon. Et la touche effectuée par Rachel Lorenz. Mallard qui défend face à Diani.
Attention, bien la suivre, l'internationale française. C'est ce que va essayer de faire Melvin Mallard. Le centre de Gianni. Ce sera long, récupéré à l'opposé par Baltimore. Baltimore, la talonnade pour Karchaoui, c'est lu par Cascarino. Il faut aller l'aider par contre, Delphine Cascarino. Pas de faute. Et encore une fois, cette fois-ci c'est l'inverse. Karchaoui qui talonne pour Baltimore. Et Vandeux donc, qui s'interpose. Malheureusement, c'est rendu directement dans les pieds parisiens. Baltimore à nouveau. Oh là, qui a complètement manqué sa passe. Alors qu'on va avoir un nouveau changement. Côté parisien. C'est Bénédicte Simon qui va rentrer. Et c'est Bangman hein, qui sort. Félicité par Gérard Prêcheur. Bon, on est pas malheureux de l'avoir sorti, Bachmann. Oran, oh, qui cherche à trouver Egerberg. Oh, c'était intéressant cette petite combinaison sur cette touche là. On sent que ça a été travaillé également, hein, une touche de balle sur une touche en direction de la pointe lyonnaise à Egerberg. Allez, Ashley Lorenz. Baltimore. Et Bénédicte Simon, l'entrante, hein, qui est rentrée latéral droit. Et j'ai l'impression qu'on a fait changer de côté Lorenz. Lorenz à la place de Karchaoui. Karchaoui est monté d'un cran. Alors, qui est monté en numéro 10 à la place de Bachmann, ça, je n'ai pas encore la réponse. Mais peut-être Baltimore. Mais certainement Timothée de Baltimore qui a piqué dans l'axe. Allez, l'un des rares temps morts dans cette rencontre. Mélanie Mallard qui est un tout petit peu restée au sol. Elle s'est relevée, l'internationale française. Effectivement, tu as vu juste, hein, Timothée Baltimore qui est venu se positionner à la place de Gueyoro, pardon, et Gueyoro qui s'est mis en numéro 10. Kaiman qui trouve Cascarino, la bonne déviation de Cascarino pour Oran. Et Oran, elle s'est fait chargée, elle a voulu toucher le ballon vite parce qu'elle sentait que Doudek arrivait comme une balle derrière. Elle va aller presser Oriane Jean-François, Lindsay Oran. Allez, allez. Allez, il est bon ce ballon. Melvin Mallard qui le récupère. Oh, ça ne profitera pas. Vandeux donc et Oran qui s'efface. Elles avaient fait le plus dur hein, finalement, les Lyonnaises. Allez, ne pas laisser sortir les Parisiennes. Bénédicte Simon, l'entrante contrée par Melvin Mallard. Ballon qui va arriver sur Gijembok. Damaris. Avec Lindsay Oran. Ah, on ne s'est pas compris entre Bacha et Mallard. Il faut attaquer son ballon. Un quart d'heure encore, un petit peu moins à jouer dans le temps réglementaire. L'OL qui mène toujours 1-0. Depuis le but de Daniel Vandeux donc. Mallard qui essaye d'obtenir le ballon. Attention parce que Torvalds de tir est parti. La belle couverture de Gijembok. Bacha qui trouve Lindsay Oran. Pressé par Jean-François. Egerberg. Allez, c'est bien ce qu'elle fait, Ada Egerberg. C'est précieux pour en plus aller adresser un bon ballon. Quelle précision à Delphine Cascarino. Malheureusement derrière, on ne s'est pas compris entre Cascarino et Kaiman. On perd en lucidité côté lyonnais. Et on n'arrive pas à bien exploiter les quelques coups. Bénédicte Simon pressée par Melvin Mallard. Elle s'est sortie du pressing. Damaris éliminé. Gueyoro avec Baltimore. On a trouvé Karchaoui. Il y a Lorenz à côté d'elle.
Janice Kamen qui va devoir défendre sur Rachel Lawrence. Lawrence qui rentre. Et bien joué, Cascarino. Solidaire qui va venir aider Janice Kamen. Très généreuse hein, dans son effort, Delphine Cascarino. Elle en aura fait hein, des kilomètres et des courses. Et regardez hein, cette technique et ce positionnement de son corps pour venir conserver ce ballon. Spectateur un petit peu privilégié de ce match au moment où Eugénie Le Sommer va faire son entrée en jeu. À la place de Melvin Mallard, on avait bien senti que Mallard elle avait plus grand chose dans le moteur. On fait rentrer l'expérience d'Eugénie Le Sommer. Pouvoir un petit peu tenir le ballon. Très soutenu par le public. L'entrée d'Eugénie Le Sommer. On connaît toutes ses qualités, elles n'ont pas changé. Vitesse, rapidité, efficacité, expérience. Oula, Egerberg, elle est très seule sur ce ballon. Elle a trouvé Kaiman en retrait. Le départ de Lindsay Horan. Et par contre, on s'est jeté en ombre là. Et Van de Donk a bien suivi dans le dos de Selma Bacha. Bonne couverture. Attention à ce ballon pour Bénédicte Simon. Il faut aller couvrir de la part de Selma Bacha. C'est ce que fait également Eugénie Le Sommer. On va la retrouver, Bénédicte Simon, cette fois-ci. C'est pour un ballon qui va sortir. Et Selma Bacha qui est au sol un petit peu. Ah, elle a pris un gros coup. J'étais pas bien serein quand je l'ai vu enlever son protège tibia. Par contre, il se passe quelque chose d'autre avec Daniel Van de Donk. Aïe aïe aïe. Alors, Selma, c'est un coup. Pas de soucis pour ça. On n'a pas vu le contact avec Van de Donk. Mais assise comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit un contact. Elle a pas l'air de boiter. Ah non, elle est hein, debout finalement. Donc, ok. Allez, Lindsay, il faut les tenir, ces ballons. Non, Van de Donk, il n'y a aucun problème, elle court comme d'habitude. Karchaoui qui va mettre un ballon dans la surface. Selma Bacha qui s'interpose, bien joué. Allez, 9 minutes à jouer. Bacha qui a mis un petit coup à Gayoro au passage. Allez, restez sérieuse, restez concentrée. Et corner pour Baltimore. Dernières opportunités. Parisienne, un corner tiré par Baltimore rentrant, pied gauche, le vent avec. On met beaucoup de monde au premier poteau. Karchaoui, oh le ballon qui revient dans la surface. C'est éloigné comme elle le peut par Van de Donk. Ah, c'est presque dommage parce qu'elle avait un peu plus de temps. Elle peut pour y aller là, Cascarino. Faire mieux, mais c'est bénéfique. Elle peut peut-être lancer Eugénie Le Sommer, c'est bien contré par Bénédicte Simon. Allez, tant que le chrono tourne, ça nous convient. Et Maline Selma Bacha qui prend tout son temps pour aller jouer la touche. S'avancer de quelques mètres. Allez. Ah, il faut sentir ces déviations. Ne pas faire les mêmes appels sur les touches. Allez. 83e minute. Sakina Karchaoui qui s'avance balle au pied. On a trouvé Gayoro. Et c'est bien joué avec Baltimore. La couverture de Van de Donk. Et Bacha qui va sortir sur Bénédicte Simon. Le ballon qui sera de toute façon trop long. Et on va avoir encore un changement. Côté parisien. Et c'est Estelle Cascarino qui va entrer en jeu. La sœur de Delphine. À la place d'Oriane Jean-François. Quel sera le positionnement? Est-ce qu'on va encore permuter? J'ai l'impression qu'elles ont toutes joué dans toutes les positions aujourd'hui, les parisiennes.
position plutôt dans le milieu de terrain, il semblerait. Damaris. On cherche Egerberg. Egerberg projeté au sol, pas de coup de sifflet sur l'attaquante norvégienne. Oh, il était bon ce ballon pour Thorvaldsdottir. Et Kaiman qui va mettre en touche. Egerberg, l'une des trois nominées au Ballon d'Or, qui sont sur le terrain, à côté de Lyonnais, aux côtés de Christian Endler et de Selma Bacha. Les deux autres Lyonnaises qui viennent compléter la liste, ce sont Katharina Macario et Wendy Renard. Et il est Schlett là, qui va adresser un ballon pour personne. Entrée d'Inès Benyaya dans quelques instants pour les 5-6 dernières minutes de cette rencontre, à la place d'une Vande donc qui aura fait un match énorme. Encore une fois. Et Inès Benyaya qu'on a vu être très importante pour l'équipe U19 l'an dernier. Et faire quelques entrées également, notamment des entrées intéressantes contre Soyo, un match très intéressant contre ici normalement lors du dernier match de la saison. Benyaya qui va pouvoir participer à cette fin de match. Ouais, une jeune joueuse avec de l'expérience chez les jeunes, un peu moins en D1 Arkema avec cette équipe une lyonnaise, mais qui est une joueuse très vive et qui par des petits appuis arrive à venir éliminer son adversaire. Et Coralie, petit détail, mais on a pu voir sur la relance de Christian Endler, le ballon freiné par le vent. Allez, Eugénie Le Sommer. Ouais, pas vraiment de solution, elle va trouver. Allez, la déviation de Ada Egerberg, c'était intéressant. On poursuit l'effort pour aller gêner la relance de Williams. Benyaya. Ouais, les contrôles sont primordiales à ce niveau. Allez, il est bon ce ballon pour Lindsay Horan. Oh, le petit pont de Estelle Cascarino, il me semble, sur le Lindsay Horan. Allez, Karchaoui. Damaris. Et bien joué Delphine Cascarino qui s'est arrachée. Elle aura beaucoup donné aujourd'hui. On a l'impression qu'elle est un petit peu en train de piquer du nez, mais elle se bat. Delphine Cascarino. Et on est passé en 4-2-3, hein, il semblerait, avec Lindsay Horan qui est redescendue aux côtés de Damaris. Et une Benyaya plutôt au poste de numéro 10. Karchaoui. Avec Baltimore. Baltimore qui cherche un ballon axial. Oula, oh, attention. Il y a une joueuse qui s'est effondrée. C'est son bat, effectivement. Qui s'est tenue la jambe. Alors, est-ce une crampe ou autre chose? Elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu, Ada. Eh oui, il faut arrêter le jeu. Ah, c'est une crampe. Alors, on espère que c'est que ça. J'espère qu'il n'y a pas eu de torsion ni rien. Elle s'est tenue les ischios directement. Alors qu'on demande à un côté parisien de presser haut, de tout donner pour revenir au score. Et de l'autre côté, on donne des conseils d'étirement pour son bat. Oui, ça a l'air d'être une crampe. Bien venir compléter défensivement et anticiper la complémentarité défensive du AC Crampe qui viennent. Elle a du décalage horaire dans les pattes, Alice Sombat. Mais pour tout dire, au vu des expériences récentes, on est un petit peu anxieux à chaque fois qu'une joueuse lyonnaise se retrouve au sol comme ça. Tant mieux si c'est que des crampes et tant mieux si elle peut tenir son rang. D'autant qu'il n'y a pas forcément grand monde sur le banc de touche au poste de défenseur central. Si ce n'est éventuellement une Kisha Silla qui pourrait éventuellement dépanner pour les 5 dernières minutes. Allez, Cascarino qui continue de se battre sur chaque ballon. 2 minutes dans le temps réglementaire. Damaris qui récupère, on l'a entendu Gérard Prêcheur dire on joue, on balance pas. Ah, il est très bon ce ballon pour Inès Benyaya. Allez, pourquoi pas le garder s'il n'y a rien d'autre à faire.
Ouais, elle va pas réussir, Banyaya. Il faut tenter quelque chose moins porté. Elle perd son duel. Pas vraiment de solution. La seule qu'elle aurait pu avoir, c'était en profondeur le long pour Ada Egerberg, mais qui était la limite de leur jeu, donc c'est compliqué à transmettre. Ouais, magnifique intervention là de Damaris et Durola. C'est parfaitement apposé et qui obtient le coup franc. Forcément, on prend son temps. Regardez hein, ce bon positionnement de corps. Damaris qui est complètement ceinturée par Estelle en plus qui réclame quelque chose alors que c'est elle qui empêche. Allez, nouveau ballon récupéré par Damaris. Eline Seoran qui peut se mettre dans le sens du jeu et obtenir un coup franc haut qui va faire du bien. Ce coup franc obtenu par Eline Seoran. Évidemment, on va prendre tout son temps pour le frapper. Allez, ça commence à sentir bon. On va pas. Pied d'appui, un crochet. Porter la poisse, elle après un. Grosse faute de Karchaoui. Et Karchaoui qui aura fait une belle prestation hein, également, côté parisien. À l'une des meilleures parisiennes, hein, clairement, Sakina Karchaoui. Et plus généralement, un côté gauche qui, comme on l'avait prédit, a fait valoir de ses qualités. Alors, Bacha qui va frapper le coup franc. Il n'y a pas beaucoup de Lyonnaises dans cette. Surface. On va chercher Ada Egerberg certainement. Non, oh, c'est elle a direct. Voulu, c'est... Oh là là, elle a voulu surprendre Williams en frappant directement. Ça aurait pu fonctionner. Oh, on l'a relancé très très vite. Et c'est en Valls d'Otir qui va pouvoir être utilisé. Allez, faut rester en appui, solide. L'Islandaise. Et on cherchait encore une fois. Karchaoui, c'est intercepté par Selma Bacha. Cascarino. Cascarino, nouvel effort de Cascarino. Qu'est-ce qu'il est bon ce ballon de Cascarino pour trouver Banyaya. Egerberg. Egerberg toute seule. Quelque chose. Allez, elle va aller au poteau de corner peut-être. Essayer de gagner du temps. Ada Egerberg face à Dudek. C'est récupéré par Baltimore. Et Kaiman qui va laisser passer. Allez chercher l'autre côté. Jusqu'à Mbok. Puis Bacha. Bacha qui a essayé de chercher ou Banyaya ou Egerberg, n'a trouvé aucun des deux. Mais les gants de Williams. Allez, il faut faire les derniers efforts. Bénédicte Simon qui cherchait Diani. Elle ne trouvera que la tête de Grijembok. Cascarino. Elle le demande en profondeur sur Egerberg, le côté, ouais. Ada. Allez, Damaris qui s'est fait un petit peu prendre là. Bacha qui éloigne. Et ballon qui arrive sur Banyaya. Et là, il y a de l'espace. Peut-être pour Delphine Cascarino. S'il lui reste un tout petit peu d'énergie, Cascarino va pouvoir y aller. Peut-être. Le retour de Lawrence. Elle n'a pas l'air d'avoir grand-chose dans le moteur, Cascarino. Elle va essayer, mais là, c'est compliqué. Mais c'est intelligent ce qu'elle fait. Elle garde le ballon. Ouais, là, elle a plus beaucoup de force, Cascarino. De Gayoro. Et attention. Oran qui va faire l'effort. Karchaoui. Et le Sommer qui va presser, c'est bien joué. Il est jeté, attention. Le Sommer est parti, c'est Egerberg qui va faire la compensation. Cascarino. C'est récupéré par le Sommer avec Banyaya. Allez, gardez ce ballon. C'est ce que fait Selma Bacha. Bacha qui se projette, mais qui va le perdre malheureusement. 40 secondes dans le temps additionnel. Et un ultime ballon peut-être et ça va passer sous le pied de Diani. La frustration sur le banc parisien et on est proche d'exulter côté lyonnais. On commence à voir quelques sourires apparaître. Même s'il y a forcément de la tension. Allez, Christian Endler qui fait remonter tout le monde. 2 minutes 50 dans les 3 minutes de temps additionnel accordé. Emeline Roche-Billière qui attend patiemment. Et c'est terminé, l'Olympique Lyonnais qui entame sa saison 2022-2023 par un trophée, le trophée des championnes que l'OL vient ravir
au Paris Saint-Germain après un match intense où les deux équipes sont allées au bout d'elles-mêmes, la joie sur les visages lyonnais. Ça a été compliqué de terminer ce match, il a fallu s'accrocher au résultat. Mais encore une fois, c'est l'OL qui triomphe face au Paris Saint-Germain sur le score de 1-0 comme au championnat. Et comme en championnat, Coralie a un score, un but acquis en début de rencontre. Et derrière, l'OL solide qui résiste pour remporter le premier trophée de l'année. Oui, un match équilibré, mais notamment de l'efficacité plus marquée côté lyonnais avec... De la fatigue moins présente en ces fins de match. Elles ont su tenir, elles ont su être plus précises et plus efficaces dans les derniers mètres. On peut noter un match assez impressionnant au niveau du volume de jeu de Cascarino et un jeu sans ballon également d'Ada Egerberg qui a permis de libérer de la place offensive pour ses coéquipières. Et Sonia Bonpastor qui disait que les joueuses n'étaient pas forcément à 100%. En tout cas, peu importe où était la jauge, ça a suffi avec la solidarité, avec les efforts de joueuses comme Ada Egerberg, comme Delphine Cascarino, comme Melvin Mallard. Ça a suffi pour obtenir le trophée.